Bonjour à tous, c'est Cyril. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour ce petit convoyeur assez sympa, donc qui est transportable avec un tracteur. Ce qui est très bien avec ce convoyeur, c'est qu'il prend tous les céréales. Là, je viens de l'essayer avec de l'ensilage, donc vous voyez, ça marche avec de l'ensilage, ça marche avec le fumier aussi. Donc c'est vraiment plutôt sympa et l'animation est super bien faite. Donc là, je vous montre un petit peu son fonctionnement vite fait. Donc là. Je me suis planté de touche, bien joué Cyril. On va montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là, moi je l'ai déplié. Donc pour le déplier, c'est la touche J. Donc là, je vais le monter à fond. Donc la touche J vous sert à monter, la touche N vous sert à descendre. Donc voilà. Ensuite, vous avez la touche K qui vous sert de tourner à gauche. Et la touche point d'exclamation d'interrogation pardon qui vous sert de tourner à droite. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre convoyeur en place, à peu près. Donc, moi là, vous voyez, je vous le laissais là, on va falloir que je le recule. Donc là, je l'ai dételle. Et vous voyez, de l'autre côté, j'ai un timon qui réapparaît. Donc ça va me permettre de reculer mon convoyeur à fond sur mon tas d'ensilage. Donc là, je vais le prendre par ici. Hop là, je vous mettrai de toute façon le lien dans la vidéo du convoyeur. Alors, s'il veut m'atteler, voilà. Oh, bien joué. Donc là, je vais reculer dans le convoyeur. Voilà, mon convoyeur. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je suis bien en place. Je le mets en touche en route avec la touche B et je sais pas si vous avez vu avec la touche B normalement ici vous avez un petit voyant vert qui s'allume donc là ça veut dire que le convoyeur tourne donc là après il vous suffit de prendre un tracteur avec une remorque moi j'avais déjà tout préparé hop de venir en dessous d'espèce de petite marque là et là, hop ça va charger tout seul votre remorque. Franchement, moi j'adore. L'animation est bien faite, le convoyeur marche super bien et en plus il prend le fumier, donc ce qui est vraiment le top. Fumier en silage, c'est vraiment le top. Donc voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ose petite autre petite information pour vider le convoyeur. Donc vous le dégagez du tas que vous avez, tas d'ensilage, vous l'avancez un petit peu, vous mettez une remorque en dessous, vous le videz. Ça veut, parce qu'en fait, s'il n'est pas vide, vous ne pourrez pas le replier pour le transporter. Donc, vous pensez bien le vider. Et une fois que vous l'avez vidé, donc, faut vous rateler par contre à l'avant, ici, où il y a la petite roue là, pour pouvoir le replier. Et le replier, vous appuyez sur la touche N jusqu'à ce qu'il soit descendu à fond et après il se repliera automatiquement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce petit convoyeur. Et si vous avez des questions, quelque chose, des informations à me demander dessus, ben vous me laissez des petits messages ou des petits commentaires dans la vidéo. Et puis voilà, ben je vous souhaite une excellente journée à tous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye!